Bienvenue. Dans cette capsule vidéo, on va illustrer le problème de lapin pour 5 mois à travers la suite de Fibonacci. Au premier mois, on a un jeune couple de lapins. Donc on a un seul couple. Au deuxième mois, le couple de lapins devient mature. Il reste un seul couple. Au troisième mois, ce couple de lapins matures produit un jeune couple. Donc ça devient deux couples. Au quatrième mois, ce couple mature produit un jeune couple. Et le couple jeune devient mature. D'où le nombre de couples devient 3. Au cinquième mois, ce premier couple mature produit un jeune couple. Et ce couple jeune devient mature. Et ce dernier couple mature produit un jeune couple. Donc on aura 5 couples.